c'est son premier livre qu'il écrit au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui est une analyse de la cause des défaites de l'Allemagne. Et donc il en tire trois leçons. La première, c'est l'unité, le pays doit rester uni. La deuxième, c'est qu'il ne faut jamais préparer la dernière guerre, mais la prochaine. Et la troisième leçon, c'est que c'est le pouvoir politique qui commande aux militaires, et pas l'inverse. Et c'est en creux ce qui s'est passé en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, puisque le pouvoir militaire a commandé au pouvoir politique. Les conceptions stratégiques de l'armée allemande de 1914 étaient celles de la guerre de 1870, et c'est pourquoi les Allemands ont perdu la bataille de la Marne après de premiers succès. Et enfin, le pays était divisé contre lui-même et s'est effondré d'un seul coup en 18. Donc ce qui est très intéressant dans ce livre, au-delà de l'analyse des causes de la défaite allemande, c'est les leçons qu'il en tire pour la suite. Et c'est pourquoi ce premier livre est assez émouvant, en fait, parce qu'il trace ce que sera la vie de Gaulle. Il est de formation militaire, mais il est profondément politique. Il a toujours insisté sur l'unité de la France et il a eu des visions visionnaires en matière de stratégie militaire. Il y a deux choses chez de Gaulle. La première, c'est évidemment le nom du premier jour en 1940. Donc il a montré que rien n'était irréversible. Et là, il a été vraiment visionnaire, puisque dès le mois de juillet, il dit « cette guerre est déjà gagnée, c'est qu'une question de temps ». Et il dit « si Hitler m'entendait dire ça, il m'enverrait à l'asile psychiatrique bon. ». Ça, c'est la première chose, donc c'est 40. Et la deuxième chose, je pense, c'est 58. Et les institutions de la Ve République, qui sont maintenant bien enracinées, 60 ans après, et qui sont une sorte de synthèse de l'histoire de France. Et je crois que ça a été un homme très controversé de son vivant, évidemment, et heureusement, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je pense que globalement, ça a été l'homme d'une certaine synthèse française. Et dans ce livre, La discorde chez l'ennemi, on voit bien que sous le militaire perce le politique, et que sous l'historien perce l'écrivain, parce que c'était fondamentalement un écrivain qui aimait le livre. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a dit « peut-être aurais-je pu être bibliothécaire ». Et pour lui, ce n'était pas un pis-aller, mais c'eût été une vie réussie aussi.